J'ai 37 ans. Je suis au gymnase avec ma femme et un petit bébé de 7 mois. Heureusement, on a trouvé le dalle comme une famille. Parce que, en fait, moi, ça fait longtemps que je suis SDF. Depuis 2013. Ça fait 5 ans, mais je travaillais. J'avais une adresse qui était chez ma sœur. Ouais. Parce que, vous savez, pour travailler, il faut avoir une adresse, quoi. Je dormais à droite à gauche, j'ai des amis. Maintenant, je me suis marié depuis 2017. J'ai un petit bébé, j'ai ma femme. Ça fait un petit moment que j'appelle le 115. Ils m'ont donné que deux fois les hôtels. C'était à partir de vendredi soir. Du lundi matin, on se retrouve à la rue. Le 115, pour eux, on est de la merde. On les appelle, vous avez un bébé ou pas? Ils vont vous dire oui, mais vous savez, il y a des familles, ils ont deux enfants, il y a un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il y a un bébé qui vient de naître une heure. Ils ne cherchent pas, ils vont toujours vous trouver des prétextes en fait. Et même, je leur ai dit de trouver même une solution pour la femme et le bébé, mais même pour moi, je m'en fous, je peux dormir dehors. Et du coup, le DAL était obligé de mettre la pression, ils nous ont mis à plaisir, du coup, même pour faire nos papiers. Il faudra sortir à 5h du matin pour se retrouver à 9h sur Paris. Je pense que c'est une punition pour moi. Et le bébé, en fait, là, on a une fenêtre qui donne sur le parking. Du coup, il reçoit tout. Là, la pollution, tout ça. C'est plutôt la pollution. Après, le bruit, on peut se porter. Mais la pollution pour le petit, une fois qu'on ouvre la fenêtre, on a toujours la pollution qui rentre. Il y a des punaises. Et on a pas de cuisine, on n'a pas un placard pour mettre nos affaires elles sont encore dans les valises. C'est tout petit, c'est 2 mètres sur 3 mètres. C'est juste en fait le lit, et le petit vu qu'il commence à trébucher un peu, il voudrait un peu bouger, mais il ne peut pas bouger. Parce que même sa mère, parfois je la laisse à l'hôtel pour aller faire, je ne peux pas. Parce que imaginez-vous, sa mère elle est obligée d'aller aux toilettes avec le bébé. Même j'aimerais bien travailler, mais je peux pas. Moi, je suis condamné. Sa mère, elle est condamnée, je suis condamné. Du coup, on voit un peu la journée pour que le petit puisse avoir un peu de liberté aussi. Et puis ma femme, je la laisse avec ses copines, comme ça, moi, je puisse faire mes papiers, tout ça, mes démarches. On est des gens de la patrie, je suis français, j'ai étudié en France. Mais je trouve que c'est dommage que la France soit comme ça, qu'ils nous abandonnent, on est des enfants de la patrie. Je trouve que c'est dommage. J'ai pas envie que mon fils se balance dans la délinquance. Moi, je me suis toujours... parce que j'ai vécu toujours tout seul et j'ai toujours évité la délinquance. C'est facile de se mettre dans la délinquance, mais j'ai toujours évité parce que j'ai toujours voulu avoir une famille, avoir un enfant qui soit mieux que moi. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je veux vous assurer, je ne sais pas, même malgré que je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire, mais je me bats pour avoir un salaire. J'ai l'épaule cassée, j'ai le pied, elle a été fracturée. Et voilà, j'ai envie de me battre pour mon enfant, pour ma femme, mais on ne me donne pas la possibilité. Je trouve ça, c'est dommage, quoi. J'essaie de me battre pour avoir un logement, pour au moins mon fils puisse étudier, qu'il puisse avoir des amis, qu'il puisse inviter ses amis si quoi que ce soit, il a un anniversaire ou si on a des fêtes comme les fêtes de Noël ou les fêtes de genre... C'est dommage qu'on se retrouve comme ça.